Karen Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste, vous êtes un petit peu à l'honneur de ce festival Cap au Bord parce que vous avez participé à un travail pédagogique au niveau du collège Paul Froment de Sainte-Livrade. Et puis, deuxièmement, vous avez contribué à la réalisation d'un film sur le Cafi, cher au cœur de toutes les Livradaises et les Livradais. Donc, c'est à double titre que vous êtes ici. Exactement, oui, tout à fait, oui. Alors, parlez-nous un petit peu du travail réalisé avec les collégiens. Alors, Sébastien Lasserre m'a contacté car des élèves avaient participé justement au concours Le goût des autres, avaient proposé une histoire. Et donc, de ce fait, ce projet est accompagné par des professionnels. Et donc, on m'a demandé de les accompagner dans l'écriture. Et donc, de février à mai, j'ai accompagné ces élèves dans l'approfondissement de leur histoire. Et voilà. Et donc, ça a donné le résultat qu'ils ont gagné le concours. Voilà. Alors précisons que vous êtes modeste parce que ce travail relate un petit peu l'arrivée en France de jeunes migrants venus du Portugal, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre. Et c'est tout cet itinéraire que vous avez contribué à mettre en image. Donc c'est déjà quand même un sacré coup de chapeau et un sacré travail de réalisatrice que vous avez réalisé. Eh bien c'est surtout beaucoup de temps à discuter avec eux car moi j'étais totalement étrangère à leur histoire. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a travaillé ensemble. C'est-à-dire que moi je venais, ils me racontaient un peu leur vie, comment s'est passé aussi leur intégration ici au collège, leur apprentissage de la langue. Et donc, de ce fait, moi, à la maison, je retravaillais l'écriture. Et suite à plusieurs séances de travail, eux me corrigeaient au fur et à mesure sur la véracité en fait, des scènes, en fait, tout simplement. Donc, ça part vraiment de leur quotidien. Voilà, donc, du coup, moi, j'ai été vraiment, pour le coup, un outil, on va dire, d'y mettre des mots et d'y mettre aussi des images. Alors, parlons maintenant du film sur le Cafi. Film qui vous a demandé 4 ans de travail. 5 ans. 5 ans, vous voyez, je suis modeste. 5 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans? Vous êtes promené dans le Cafi, vous êtes pénétré de cette ambiance bien particulière qui règne à Sainte-Livrade, dans ce quartier-là. Alors, ça a été une démarche. Au départ, j'ai découvert le Cafi déjà parce que je fais de l'éducation à l'image et qu'auparavant, j'avais travaillé avec des élèves sur le camp de Biaz, le camp des Harkis. Enfin, j'ai découvert en fait qu'il existait un camp à Sainte-Livrade. Et donc, moi au départ, je ne pensais pas faire un film. Moi, au départ, je suis arrivée avec l'appareil photo. J'ai fait beaucoup de photos et du dessin, voilà. Et par le dessin, j'ai rencontré aussi des gens. Ils m'ont ouvert leurs portes. Et du coup, petit à petit, j'ai intégré leur quotidien. Et on va dire que ce film, ça filme, on va dire, la vie, leur fragilité, à un moment très important dans cet endroit où tout leur lieu de vie était chamboulé, où là c'était la réhabilitation, où à lotissement voilà, se pointait son nez. Et donc du coup, voilà, beaucoup de gens se sont retrouvés comme ça un peu fragilisés. C'est une mutation en quelque sorte que vous racontez. Oui, parce oui, que exactement. Pour avoir vu quelques images du film, j'avoue avoir été un petit peu troublé par cette misère qui régnait au niveau du Cafi. Oui. Avec des images extrêmement fortes. Oui, mais pas que de la misère. C'est aussi une grande richesse, une grande solidarité, c'est une grande communauté aussi. Donc il y a aussi le fait d'avoir perdu aussi ce Ludi qui était quand même très vétuste. Ils ont perdu la vie qu'ils avaient mis en place pendant de nombreuses années, une vie communautaire. Quoi. Alors maintenant, ce film va faire son chemin. Mais j'espère bien. Merci beaucoup, Karine Guillot, d'avoir été avec nous. Merci.